Salut, je m'appelle Picolina, je suis une molécule d'eau. Là, j'ai l'air tranquille, mais si vous saviez tout ce qui m'est arrivé, il faut que je vous raconte. Tout a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années. J'étais coincée dans ce glaçon cosmique depuis des lustres. Il s'était détaché d'une comète et fonçait dans l'espace. Un jour, mon glaçon est passé très près d'une grosse étoile très brillante. Elle était entourée de milliards d'astéroïdes qui tournaient comme des fous. Pendant très longtemps, j'ai tourné comme eux. Mais je voyais que la plupart des astéroïdes finissaient par s'agglutiner les uns aux autres pour former de grosses boules de roche et de glace. Finalement, ces grosses boules sont devenues des planètes. Et comme il y avait de moins en moins d'astéroïdes qui les bombardaient, elles commençaient à refroidir. Je m'apercevais alors que les planètes les plus froides se couvraient d'eau et de glace. Ça alors, elles avaient dû en recevoir des météorites glacées comme la mienne. Ça n'a pas manqué. Nous aussi avons été attirés par une de ces grosses planètes. Quelle chute terrible! Dans la glace, nous, les molécules d'eau, on était bien rangées comme dans un cristal, sans pouvoir bouger. On nous appelle les H2O. Nous sommes tous faits d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Un peu de chaleur, la bonne pression. Et nous voilà enfin libres de nous agiter pour devenir eau liquide, l'élixir de la vie. Dans les flaques, j'ai fait de drôles de rencontres. Il y avait beaucoup d'H2O, comme moi bien sûr, mais aussi plein d'autres choses. Et surtout, des molécules au carbone. J'en ai vu défiler des molécules. D'abord des simples, méthane, le fameux CO2, et d'autres molécules faites de chaînes de carbone comme les acides aminés. Il y en avait de vraiment étonnantes, des compliquées, des très longues. Elles aussi s'étaient formées sur la planète ou dans le cosmos et avaient atterri là par hasard. Plus le temps passait, et plus j'en voyais des extravagantes et des farfelues. Je songeais que, décidément, sur cette planète, on n'allait pas s'ennuyer. Un jour, je suis tombée nez à nez avec une sorte d'énorme serpent moléculaire. Un polymère. Des dizaines de molécules s'étaient accrochées à la queue leu-leu. Quelle drôle d'idée! J'en croisais d'autres, de plus en plus, qui semblaient sortir d'une fissure au fond de la mare où j'étais tombée. J'ai voulu en avoir le cœur net, je me suis approchée, et là, quel spectacle! Des molécules de la même famille, accrochées sur des cristaux d'argile, se rangeaient les unes à côté des autres. Un peu de chimie, et elles se retrouvaient enchaînées sous forme de polymères. Et nous, les H2O, sommes entrés dans la danse de leur petite réaction chimique. Avec les polymères, l'ambiance n'était plus la même. Ils n'arrêtaient pas de se défaire, de s'assembler. J'en perdais mon latin. Il y en avait qui s'associaient et même qui se recopiaient. Parmi les plus bizarres, il y avait les hydrophobes. Celles-là nous détestent, nous, les H2O. Alors elles se mettent en boule dès qu'elles nous voient. Mais quelle beauté que la danse des hydrophobes pour former des membranes. Thank you.
Il y en avait de plus en plus et ça faisait peur. Le fond était couvert d'une sorte de film huileux. C'était le gang des hydrophobes qui cherchait à se répandre. J'ai voulu m'approcher pour leur faire peur à mon tour. Quand tout à coup, je me suis retrouvée enfermée par la bulle d'hydrophobes. Quelle poisse! Mais je n'étais pas seule. Il y avait des tas de molécules qui s'étaient laissées piéger. Des acides aminés, des polymères, des sucres. Avec le temps, je me suis habituée à ma petite cellule. En fait, on rigolait bien là-dedans. Et puis, il y avait de plus en plus de monde, car la bulle n'arrêtait pas de gober tout ce qu'elle trouvait. Au bout d'un moment, on a commencé à se sentir à l'étroit dans notre bulle. Il faut dire qu'il y avait des gros polymères qui n'arrêtaient pas de se dédoubler. Je voulais aller me plaindre quand j'ai entendu un grand bruit. Ma cellule s'était coupée en deux. Et c'est comme ça que la vie a commencé. Enfin, comme tout cela date de bien longtemps, je ne me rappelle plus trop bien de tous les détails. Mais les savants nous disent que c'est probablement comme ça qu'a dû apparaître la vie. Des milliards d'années se sont écoulées depuis. Oui, je sais, je n'ai pas changé. Mais regardez ce qu'est devenue ma petite bulle d'hydrophobe. Formidable, non, toute cette diversité du vivant? Et croyez-moi, avec le temps, ça va encore évoluer.